Je suis le docteur Yanakov. J'étais psychiatre. Mais ça, c'était avant. Alors, on dort pendant le service? Ah, qui c'est? Ah, c'est toi! J'aimerais bien t'y voir, Théo. Franchement, t'aurais pas pu me trouver mieux comme travail d'intérêt général? Hey, tu pourrais me remercier, hein, parce que sans mon témoignage en ta faveur, eh ben maintenant, tu seras en prison. Tu vas remettre ça sur le tapis à chaque fois? Oui. Et n'oublie pas ce qu'on t'a enseigné en désintox. Tu pourrais me le rappeler? La drogue, c'est mal. Rien entendu. Allez, avec un peu plus de conviction. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est le diable. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est le diable. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est le diable. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est le diable. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est le diable. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est le diable. What? Eh, bravo, bravo, super, bravo, nickel. Ah, c'est exactement ça, bravo. Ha. Écoute, si je suis là, c'est pas par hasard. C'est parce que j'ai besoin d'informations. Ah ouais, mais je sais pas si je peux t'aider, frère. Tu le sais bien que j'ai pas de cervelle. Du coup, bah, j'ai une mémoire de mon passoire. Et du coup, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment de la peine à me concentrer. Je vais faire un pit. Hein? Bon, tu veux des infos sur qui? Hansel et Gretel? Réponse? Non. Tu savais que le chapoté, c'était... niveau catch. Non, je veux des informations sur l'homme invisible. Ah non, 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 non. Quoi non? Je veux rien avoir à faire avec ce taré, frère. Ben, ce taré, comme tu dis, hein, ben, il a failli me tuer. Ouais? Ouais. Ben, c'est un petit peu son métier. En plus, attends, s'il a failli te tuer, c'est peut-être qu'il va recommencer, non? Ah ben, tu vois, t'es pas si bête, hein, quand tu veux, quand tu arrives à réunir tes deux neurones. C'est ça qui arrive quand on réfléchit? Hmm? Ah. C'est... Et ça va? Oh, ça va? Et ça va mieux? Ouais. Eh bien, t'en fais pas pour l'homme invisible. Je me suis occupé de son cas. C'est réglé. Écoute, j'ai besoin de ton aide parce que tu es au courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait dans la rue. Et moi, j'ai besoin de réponses. Tu es toujours un formateur pour la police? Chut! S'il te plaît, frère, moins fort! Ah, tu crains pour ta vie, je comprends bien, là. Mais j'ai vraiment besoin de ces réponses, tu sais. Non, c'est... j'ai peur pour ma réputation. Ah bon? Je vous les indique, c'est la honte. L'avantage, c'est que ça paye bien. Ah. Une fois, je me suis fait un bonus quand j'ai balancé les trois petits cochons pour proxénétisme. Blah! Je vais pas en entendre davantage. Blah! Blah! S'il te plaît, donne-moi mon information et après je te fiche la paix. Promis. Bon, c'est un truc que j'ai entendu dire dans la rue. Mmh. Par un mec qui vend des journaux à l'angle de Beaume et de Fleming. Oui. Et lui-même, il a entendu ça par son cousin, qui est flic et qui bosse à mi-temps comme coiffeur. Mmh. Entre deux brushings, il a entendu parler d'une rumeur qui a fait beaucoup de bruit. Il paraît... Bon, après, je garantis rien. Il faut savoir que le mec, il aime bien baratiner les gens. Pff, c'est un bon gars, mais moi je trouve qu'il se la... Bon, allez, abrège. Moriarty.
paraît que c'est Moriarty qui a engagé l'homme invisible. Le professeur James Moriarty? Mais pourquoi il aurait fait ça? C'est une rumeur, c'est tout. Je ne sais rien de plus. Mais si c'est vrai, là on est mal. J'aurais dû prendre ma retraite il y a longtemps. Mais quel abruti. Hey, merci de ton aide, hein. Tu vas faire quoi maintenant? T'as un plan? Ah oui. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps, hein. Prendre mes distances. Et je te conseille d'en faire autant. Déconne pas, frère, tu m'inquiètes, là. Si ça va pas, va voir un psy. Ah ben, certainement pas. On peut pas leur faire confiance. Hey, moi je suis abonné aux emmerdins. Alors, vous pouvez peut-être vous abonner à la chaîne, hein? Et par la même occasion, activer la petite cloche, hein?